but you got the behavior of your neighbor. Even when stability's never in your favor, fly with the turbulence, only last a minute. Land on your dreams and recognize you live it. Walk through the valley and peaks with bare feet. Run through the flames, there's more passion for me. A glass testimony just so the world can see. Better wounds on me, you're watching me lick them clean. I know, my pride, my goals, my eyes, my lows. I know, it's mind control. I know I can prosper, no imposter. Prosecute my posture, I stand up and I stand by you. What? I am a freedom fighter, the name that history wrote. Et salut tout le monde et bienvenue pour ce troisième épisode du coup sur la préparation Ghoul Terminator. Donc comme d'habitude, si tu n'as pas vu les deux autres épisodes, bah, je t'invite à aller les voir pour un peu suivre, on va dire entre guillemets, un peu mieux comprendre. Donc du coup on continue donc après le mode feu etc. Là au lieu de parler de stuff, bah, aujourd'hui je vais vous parler un peu des pare-chauds. Tout simplement des parchemins parce que les nuntrophes, même si les pare-chauds sont un partout, a un gros défaut. En fait quand je l'ai récupéré, quand il était niveau 100 et quelques, il était pare-chaud. Enfin, il était pas encore par chaud et mon pote allait le par chaud et il avait tout acheté. Sauf que vu qu'on avait monté la chance de base, quand j'ai resté, je lui ai fait mais la chance tu l'avais par chaud avant. Il fait oui t'inquiète pas. Du coup j'avais par chaud à 101 pour garder bah, les 101 par chaud de chance. Je vais y arriver. Et du coup ben la chance elle est restée à 101. Sauf qu'en fait au final quand j'ai par chaud partout, je me suis rendu compte que il y avait dans un élément. Donc du coup, forcément la chance, qui n'était pas par chaud, du coup il s'était trompé. Et ça on peut le voir tout simplement avec la vitalité, donc vous voyez de base, elle est à 943, et je suis full vita, hein, si vous pouvez regarder. Hop, base, 101, 101, 101, 101, et 943, et normalement, si on calcule bien, donc on va sortir la petite calculette, si on calcule bien, on fait tout simplement les 199 niveaux qu'on monte, vu qu'on démarre du niveau 1 au niveau 200, on multiplie par 5, c'est le nombre de points de caractéristiques qu'on a, et on a 995, plus les 101 par chaud, voilà, 1087. Donc normalement je devrais avoir 1096 en chance, donc c'est-à-dire qu'il me manque plus de 100 en vitalité, ce qui est assez énorme, vu que pour certains stuff, bah, du coup je peux monter à plus de 5000 facilement, et une centaine de vitalité c'est assez énorme. Du coup, je vais totalement repar chaud les nutrophes. Donc j'attendais d'avoir pas mal de Kama pour en faire, là voilà je suis à 91 millions, j'ai encore des exos à vendre, enfin qui vont être finis, qui vont être vendus, du coup ça va monter un peu plus. Et voilà, donc du coup, par contre je vais pas le pare-chaud tout de suite, je vais attendre tout simplement qu'on puisse taper le Ghoultard pour les stats full force, pour pouvoir bien le taper, et du coup bah, c'est à ce moment là que je vais repare-chaud. Ça va me coûter une orbe en moins, ou me taper tous les donjons en moins, donc pour l'instant... vu que je sais pas grand chose avec les nutrophes, bah, je peux me le permettre. Et puis depuis que je l'ai, il y a toujours eu ce petit problème, ça m'a pas empêché de gagner certains combats. Donc voilà. Donc on va voir un peu, bah, pour ceux qui ne savent pas comment on fait pour ce pare-chaud 101 et pas 100 tout simplement. Et on va regarder un peu les prix. Donc j'ai fait mon petit calcul. Ça devrait me coûter dans les 18-19 millions, sachant que je vais revendre des pare-chauds après. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on va commencer. Je vais filtrer le TV comme ça, je vais bien voir. Alors on va commencer par les petits. Donc les petits. Donc pour ceux qui connaissent pas les conditions, bon il faut 25 de base, du coup il en faut 25. Donc moi j'en prends 30. Ils sont là. Ah merde. Attendez, hop. Ça me fait chier d'avoir tous ces pare-chauds. Parchemin. Oh et puis merde. Yes, hop, on récupère ça. Et voilà. Alors, acheter, on était où? Parchemin caractéristique, donc j'en ai 20, il m'en faut 25. Donc on va en prendre 30. C'est parti, donc j'en prends 30 partout. Tout simplement, bah, vu qu'on peut en monter jusqu'à 25 en points de caractéristique, bah, j'en vendrai 5. Ou je les vendrai peut-être pas, je les mettrai peut-être sur un autre perso. Alors, on va accélérer un peu. 30. Donc alors j'étais à 91 millions, bon on va pas les compter ceux-là, 91 millions, on va dire 300. Hop. Chance. Intel. Ah, l'Intel ça coûte cher quand même. Intel, enfin ça coûte cher. C'est le mot cher. Pas bien approprié. On m'en continue. Donc là je pose 1, 2, 3. Ah c'est bon, là j'ai tout. Ah non, il m'en manque 10. Ok, ensuite on monte donc les parchemins de vitalité, même bordel. Du coup voilà c'est 50, du coup vu qu'on était à 25, on en rajoute encore 25. En fait voilà, on aurait pu même monter juste à 50 avec ces pare-chauds, sauf que ça n'a aucun intérêt vu que cela coûte beaucoup moins cher. Donc du coup on en remet 25 autres, c'est parti.
par chemin de sort, manquerait plus que j'achète ça. Alors, j'aurais le blaze là d'acheter 10 parchemins de sort comme ça. 30 parchemins de force, c'est parti. Donc là, on en est déjà à plus de... J'étais à combien? 92 ou 91? Non, 91. Donc on est à 2 millions. On est déjà à 2 millions. Ça grimpe vite, mais après, voilà, je suis en train de parcho la totalité. Et c'est vrai que c'est la période, vu qu'après, il y a le Go Terminator, les gens, ils aiment bien, à cette période-là, acheter des parchos de sort, acheter des parchos d'Intel, etc. C'est un peu la mode. Du coup, autant le faire maintenant, avant que ça coûte trop cher. Et après mon passage, c'est possible que ça coûte un peu plus cher. Alors, 30, 30 et 30. Voilà, donc là c'est parfait, j'en ai 30 partout. Maintenant on va passer aux grands parchemins. Donc les grands parchemins, eux, contrairement aux autres, ils montent jusqu'à 80. Donc c'est plus en 25, c'est en 20 en fait. Mais non, c'est 30 du coup. Je dis n'importe quoi, de 50 à 80 il y a 30. Du coup, on va en acheter 30, sauf qu'on va pas utiliser les 30 pour monter jusqu'à 80 pile poil. On va tout simplement monter jusqu'à 79. Alors pourquoi 79? C'est tout simplement pour parcho 101. Donc en fait, vous allez voir, les puissants parchemins donnent plus 2. Du coup, vu qu'on peut en mettre que jusqu'à ce qu'on ait 100 de caractéristiques, donc en dessous de 100, le seul moyen pour avoir un nombre impair, c'est de s'arrêter à 79 avec eux. Et vu que ça va de 2 en 2, il faudra 11 parchots de sort. Du coup, si vous calculez bien, vous passez de 89 à 101 avec 11 parchots, ce qui est ce qu'il faut pour être parchot 101, pour avoir vraiment... C'est vrai que ce parchot et être à pile poil 100, ça fout un peu les boules. Même si, après, c'est juste un en caractéristique, mais voilà, c'est... Si tu te parchot pas 100, t'as des boules, quoi. Et puis c'est un peu plus classe, quand même. Oh, j'ai cru que mon micro était éteint, j'ai eu peur. Ouf, voilà, comme je vous disais, il coûte deux fois plus cher. C'est vraiment presque un viol, ce truc. Alors, on a dépassé les 10 millions. Ah, c'est ça, les 10 millions, on a dépassé les 10 millions, ça y est. Ça allé vite quand même, je suis en train de me ruiner. Alors, hop, j'en connais un qui va me taper sur les doigts. Bon, après, Tommy, il achète des voiles d'angle pour faire des mimibiodes, donc je peux bien m'acheter des pare-chocs. Alors, 30, c'est parti. Hop, maintenant on passe aux puissants, donc comme je vous disais, les puissants. Voilà. Inférieur à 100 et plus 2 en vitalité, du coup, c'est ça qui est bien, donc il faut en acheter 11. Sagesse. Alors par contre, c'est pour ça qu'ils coûtent très cher, parce qu'ils sont assez puissants entre guillemets, vu qu'il en faut vu qu'ils donnent plus 2, c'est ce qui coûte le plus cher. Hop, 11, c'est assez beau, n'empêche. 30 puissant. Hop, 1 million 2, ça coûte cher aussi. Ah, j'aurais cru plus cher les puissants tels quand même. Et le dernier, agilité. Hop. Et voilà, parfait. Du coup, je vais juste aller revendre ceux qui me servent à rien. Là, par exemple, il m'en faut 5. Ça se vend combien? 6000. On va mettre 5099. Oui, je sais, je suis un gros radin. Mais bon, c'est comme ça qu'on devient riche. Hein. Il m'en faut 25, c'est parti. Donc, en attendant que je fasse ça, vu que j'ai m'amusé un peu là. 9. Là les nutrophes, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai arrêté de jouer, je suis vraiment désolé pour les vidéos, tout simplement parce que je suis en stage en informatique et j'ai pas le temps. C'est vrai que mes journées sont assez longues entre guillemets, j'ai pas des journées non plus énormes, mais c'est vrai que ça me prend du temps. Il y en a qu'un, oui. Ça me prend du temps et du coup je me connecte vraiment très peu. Il y a Tommy Chouno qui est constamment sur les comptes à faire des comptes. Oh, c'est magnifique. À faire des comptes. Et du coup, je joue pas trop les Nutrophes, vu que du coup il a pas son stuff dessus. Quand je me connecte, c'est pour faire des exos et je me connecte vraiment pas longtemps. Du coup, là j'ai vraiment pris le temps pour faire la vidéo préparation Ghoul Terminator. Je vais vraiment essayer de rattraper le retard avec les autres vidéos. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué par rapport au fait au temps. C'est pas vraiment l'envie, c'est plus le temps. Et du coup c'est la galère, du coup j'essaie quand même de vous faire des vidéos vu que j'avais prévu un programme que je ne tiens pas, je suis vraiment désolé. Mais je vais essayer de rattraper ça. Alors on continue, tac, tac. Du coup une fois que l'Enus sera par chaud, enfin aura tous ses par chaud, je vais les mettre en banque. Et je vais les cacher pour pas que Domichuno me les pique. Et à la période du coup le Terminator,
Vu qu'on doit taper ce fameux, on va dire, Goultard, l'épreuve de rapidité, pour faire cette épreuve de rapidité, bien sûr, je vais pas mettre l'initro full vita, ça ne sert strictement à rien. On va mettre 16 930. Merde, 16 000? Putain, c'est cher. Ah, il m'en a au parchemin normal, ok. Je trouvais que c'était des petits, pour ça je comprenais pas. Du coup, je disais oui, donc cette épreuve de rapidité, je vais pas mettre l'initro bien sûr, full vita, vu que ça sert strictement à rien. Je vais juste le mettre full force ou un autre élément, on verra celui qui tape le plus, mais je pense que c'est la force qui va taper le plus. Et du coup, ça me permettra à ce moment-là de remettre l'énutrophe 100 à partout. Du coup, il gagnera de la vita un peu partout, ça va faire du bien. Et voilà, donc sur ce, je pense que je vais vous quitter là-dessus. Juste pour ce, on va dire, ce petit épisode sur les pare-chocs. Vu qu'après on va pas faire grand chose hein, vu que ça fait déjà pas mal de temps, je sais pas combien de temps ça fait, attention, ça fait déjà 10 minutes de vidéo et j'ai pas envie non plus de faire des vidéos trop longues. Donc sur ce je vous souhaite bon apéro, bonne soirée ou bon après-midi selon laquelle vous regardez cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et à la prochaine. Hey, ciao ciao tout le monde. Enfin de l'invocation, enfin je trouve que c'est une très bonne panneau. Après il faut savoir j'ai toujours pas l'exo invoque. Par contre, j'ai l'exo-PO. Donc, du coup, il y a encore des modifications à faire pour que les Nutrophes soient au moins en 4 invocations, qui est, on va dire, le mieux.